Bonsoir, frères et sœurs, et sous Hébreu 13.8 TV, dans l'émission Question-Réponse sur la Bible. Une émission qui passait chaque dimanche à côté de 6h, et à peu près 6h08, et nous allons commencer à répondre à quelques questions que nous recevons, quelques questions que qui vini pendant toute période ça. Donc on a choisi quelques là dans yo pour nous répondre parce que nous connaît nous même dans émission question réponse sur la Bible sur radio télévision Hébreu 13.8. Nous basons nous uniquement sur ça qui est écrit et nous prend parole que apôtre Paul qui c'est notre apôtre dans le Seigneur Jésus-Christ, lui dit que pour nous pas aller au-delà. Pas aller au-delà de ça qui est écrit. Donc, nous devons rester dans ça qui est écrit. Parce que la Bible dit tout ça qui est écrit, hein, est inspiré du Créateur. Pour lui utile. Pour rendre nous à tout, pour rendre nous utile à toutes bonnes œuvres. Pour édifier. Donc, ça qui est écrit, hein, c'est la donne qui est vérité. Hein. Ça qui est écrit, hein, c'est là que la Bible dit nous devons parler au-delà. Nous allons répondre à question ça en fonction de ça qui est écrit, ma parole créateur, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Émission parole question réponse sur la Bible sur Hébreu 13.8 TV passé encore une fois chaque dimanche à côté de 6h ensemble pour nous voir qui ça bon Dieu voulait, ensemble pour nous voir qui ça créateur a mandé nous pour nous faire, ensemble pour nous comprendre parole li. Parce que notre compréhension parole li, c'est comme ça nous capable produire fruit. Jésus-Christ dit non et parabole 4 terrains, il dit mon yo 4e terrain. C'est terrain ça qui produit qui bay bonne production. Et le apôtre à part, il t'a expliqué yo. Il dit yo c'est moun qui comprend parole là.
C'est moun qui tendait parole là et qui comprenne. Parce qu'on capable tendait parole là. M'entendait selon la chair. Mais comprendre parole là, c'est comprendre ni selon l'esprit. C'est ça que fait moun qui tendait parole là et qui comprenne ni et qui ka produit fruit. Et l'entendait parole là selon la chair ou tendait la lettre. Mais l'entendait parole là selon l'esprit ou gen oreilles spirituelles pour tendre. C'est ça que fait Jésus-Christ toujours dit moun qui gen oreilles pour tendre, tendre. Ou capable tendre, moun pas comprendre. Parce que le monde spirituel fonctionnait avec la compréhension. Et c'est l'esprit de Dieu qui bon compréhension ça. Ou capable l'il, tout moun l'il, tout moun ouel on seul gens, tout moun a marché avec on seul gens, mais y a marché selon la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que la vie, lorsqu'il y a la vie de Dieu dans où, ou va chercher la parole esprit. Ou va chercher la parole selon la lettre. Ou pas marcher selon la lettre, moi marcher selon l'esprit. Ou va chercher la parole de Dieu esprit. Qui compréhension l'esprit des esprits à travers ça qui est écrit, à travers cette lettre. À travers ces lettres, qui compréhension. Parce que je suis capable d'entendre, je suis capable ouais, m'lil, mais gon compréhension. Qui ça Dieu dit la donne. Ça Dieu dit, c'est le côté esprit de la parole de la lettre. Et nous sommes capables d'aller sous la lettre, souhaiter sous la lettre, ou comprendre selon la lettre. Je garantis la lettre ou dans la mort parce que la lettre tue. Ou pour qu'on rentre dans la vie, c'est l'esprit qui vivifie. Moi, je recevoir et il y a une grosse discussion qui a fait, débat qui a fait sur un sujet que pendant ce maintenant. Sujet, c'était sous question église. Parce que Mounio a parlé de l'église et comme étant une assemblée. Et gens nous comprennent l'église en réalité, ils ont toujours présenté nous l'église là comme étant un building, pas vrai, un espace physique. Donc dans l'espace physique ça, ils mettaient un chair, ils auraient les chairs, ils mettaient le pivot et puis auraient les hôtels, pas vrai. Et puis ils mettaient 2-3 chaises bourrées, vous comprenez? 2-3 chaises bourrées, ça c'est pour les pasteurs, les madame pasteurs, les monde qui décidaient que j'allais le faire. Et puis en bas, légèrement plus bas, je comprends que vous mettez le pivot parce que c'est au curateur. Mais légèrement plus bas, vous mettez des bancs, vous mettez des chaises, tout ça. Ça, c'est pour le peuple là, qui a venu. Mais souvent, vous arrivez dans l'assemblée, vous regardez, et les gens, c'est dans l'église, ça a marché depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 50 ans. Pas maman, elle a marché là, elle vient marcher là. Donc yo presque non gon position même qui presque signé non yo parce que c'est là yo chita 24 sur 24. Donc yo toujours là pour yo seulement apprendre. Donc parce que yo pas jamais qu'arriver non statue parfaite de Christ, yo là pour yo toujours apprendre. Vous comprenez ça m'dou là? Mais pas oublier que Seigneur a dit lui donner les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour l'édification des saints en vue, c'est pas pour édification seulement pour chita là, en vue de l'œuvre du ministère. Donc ou toujours gen job qu'on a fait, ou toujours gen travail qu'on a fait, mais par contre, l'heure où chita ou seulement chita en dans un building ou penser l'église là son building physique lié. Est-ce qu'on comprend ou chita la donne parce que yo fait allusion avec temple parce que yo dit oh oui, oh Jésus-Christ est toujours à l'en temple. Mais on l'autre bagarre encore. Yo dit oui, Jésus-Christ est toujours à l'entemple. Surtout moun sabbat yo, yo dit Jésus-Christ est toujours à l'entemple le jour du sabbat. Koun ya moi-même moi ta besoin connait, est-ce que gagne synagogue encore là? Parce que Jésus-Christ remplace synagogue yo. Li clair, synagogue yo te kon construit avec des briques, yo te kon construit avec des pierres, ou prend pierre, ou prend roche, ou prend béton, ou prend ciment pour les béton, ou pour les dalles, ou fait tout à fort mettre bloc pendant ti bala et pour construire synagogue là et puis yo vinn réunir dans synagogue là. Donc c'est comme ça synagogue te qu'on construit. Mais la Bible te qu'on mais temple planté à Jérusalem. C'est la temple planté que Salomon te construit tout ça nous compte toute histoire temple. Mais il y a plusieurs synagogues côté que chaque sabbat monsieur qu'on réunit pour y aller dans synagogue là pour y appeler les prophètes la loi de Moïse et prophètes. Mais le Seigneur Jésus-Christ vini, Seigneur Jésus-Christ pas parler de synagogue encore.
Parce que lui dit dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, Moïse t'a dit, mais moi-même, mais qui ça me dit? Moïse t'a dit, mais moi-même, mais qui ça me dit? Parce que ça, Moïse t'a dit, c'était la lettre, moi-même, c'est l'esprit, mais qui ça me dit? Mais que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit à l'église. Donc, c'est l'esprit qui a parlé à l'église. L'église est spirituelle. L'église pas en temps physique. L'église pas Moïse. L'église pas la chair. L'église pas la lettre. L'église c'est l'esprit. L'église c'est Christ. C'est l'esprit. Il dit, vous avez, nous t'ai appris que ça Moïse t'a dit. Mais moi-même, mais qui ça me dit nous? Est-ce que là, les contre Moïse? Non, il va aller à l'encontre de Moïse. Il vient expliquer Moïse. Il vient retirer Moïse dans le sens charnel que nous te connaissons là pour le mettre dans le sens spirituel. Dans le bon sens, dans le sens, vrai sens. C'est ça que fait dit, je ne suis pas venu pour m'abolir, même si je fais des bagailles. Non. Il dit, même si je fais des bagailles, je viens faire des bagailles à Moïse avec le prophète. Moi, je viens accomplir. Donc, avant de dire, il vient faire des bagailles. Il vient accomplir. Et l'œil accompli, c'est parce qu'elle vient accomplir ça qui était imparfait. Moïse. Donc, et nous allons aller pour nous, Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu. Parce que il y a plusieurs questions pour nous. Je pense que, j'aime dire, l'église, là, c'est un building. Il y a un temple. Il y aurait le temple, là, donc c'est là pour y aller chaque fois. C'est ça qu'il faut avoir un pile monde qui toujours à chercher de partout. Est-ce qu'on est ça, là? C'est ça qu'il faut avoir langage, il vient varier. Yo dou yo ferme l'église. Yo ferme l'église. Au coronavirus ça vini là, l'état ferme l'église. Et vous regardez tout building synagogue nèg fermé et puis yo dit l'église qui fermé. Et on compte ça plus dur là. Deux moun ou expliquer, yo dit amen. Et puis yo même fois yo répète même bagarre. C'est comme si pas comprendre qui ça dans tête peuple là. Ou pas moun qui ça dans tête yo. Moun yo manipule, moun yo manipulable. Yo fait ça yo vla avec parce que yo charnel. Yo reme la chair, yo reme toucher, yo reme socialiser. C'est comme ça parce que ka jwenn Christ non. Christ nan parole li parce que li c'est parole là. Li pa ka aller à la compte de pop tête pal. Dans Matthieu chapitre 16, Seigneur Jésus-Christ dit on bagaille. Matthieu chapitre 16. N'a pas lu l'ensemble. Matthieu chapitre 16. N'a pas commencé depuis le verset 13, frères et sœurs. Matthieu chapitre 16. N'a pas commencé depuis le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, Seigneur Jésus m'a dit à ses disciples, Que suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Il dit qui ça moun yo dit qui ça comment yo wèm? Ça selon ça yo dit comment yo wèm? Qui ça yo dit mie? Ils répondirent, les disciples répondirent. Il a dit mais ça nous tendait, mais ça nous tendait Abdouye. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Il y a monde qui dit c'est Jean-Baptiste ouyé. Mais il y a l'autre monde qui dit c'est Élie ouyé. Mais pourquoi ça toute confusion? Pourquoi ça pas dit li pourquoi ça y associé là monsieur ça? Les autres Jérémie, il y a monde qui dit c'est Jérémie ouyé. Ou bien un nan prophète yo. Il y a qui dit c'est Jérémie ouyé ou bien âgé ou bien Élisée ou bien un nan prophète yo. Parce que c'est deviner à deviner. Parce que c'est clair que yo pas dit que le pas rien. Attention. Yo pas dit que le pas rien. Yo pas dit que mon cher ou pas rien. Yo dit c'est Eli. Yo associé à yon prophète yo. Parce que yo ouais nan li même nan parole li nan action. Yo ouais nan miracle tout que ça a sorti de du créateur. Yo ouais cet homme sorti du créateur, mais yo pas qu'à différencier que Élie, Jérémie, prophète yo pas créateur, yo te gen esprit créateur nan yo, mais yo pas créateur. C'est différent ça que yo pas qu'à identifier. Yo pense c'est un homme qui gen esprit créateur, mais qui pas gen rapport à créateur,
mais yo associé le comme ça, mais yo pas de faire différence que c'est esprit créateur que lié lui-même. Parce que monsieur a un esprit créateur nan yo, mais lui-même il est l'esprit du créateur, il est le créateur même. Et ça fait yo associé à Eli, en pile miracle fait à Jérémie, yo la bay prophétie. Vous comprenez? Ah oui, yon nan prophète yo. Mais Pierre lui dit dans verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui est-ce moi? Et nous-mêmes. Parce que entre nous là, qui ça nous dit que mieux? Parce que tout le monde a parlé. N'a dit ça, tout le monde dit, mais nous-mêmes. Qui ça nous dit mieux? Comment nous-mêmes? Est-ce que le pape connaît? Bien sûr, ils sont des profondeurs que nous. Il a parlé. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Les virgules, le Fils du Dieu vivant. T'as bien. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Nous allons priver sur l'examen. Passage tellement belle à chaque fois, faut obliger, faut y passer sur eux avant qu'on rentre dans le vif sujet à, qui c'est l'église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça ne veut pas dire que c'est les deux. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas deux personnes. Tu n'es pas le Christ, tu es le Christ et le Fils. Ce n'est pas et le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est l'esprit des esprits. Le Fils, c'est l'image de l'esprit des esprits. C'est pour ça que Simon dit, tu es le Christ. Parce que Christ, l'on parlait de Christ, ou parlait de l'esprit, ou parlait de la chair. L'on dit Christ, où est la chair, où est l'esprit. Si on dit Christ, ou pas qu'à seulement la chair, l'homme. Si on dit Christ, ou pas qu'à seulement l'esprit. Parce que Christ, c'est la chair et l'esprit. Christ, c'est l'esprit manifesté en chair. 1 Timothée 3:16. Sans la manifestation de l'esprit en chair, de l'esprit des esprits en chair, pas de Christ. Apôtre Jean dit dans 1 Jean. Celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, est l'antéchrist qui nie le Père, qui c'est l'Esprit, et le Fils, qui c'est l'image. Donc celui qui nie que Jésus est le Christ, lui nie, puisqu'il nie le Christ, lui nie Christ qui c'est l'Esprit, qui c'est le Père et le Fils. Donc, pas qu'à, le Père, c'est l'Esprit, le Fils, c'est l'image de l'Esprit. Donc, la chair. Donc, ou pas qu'à nier, ou pas qu'à dire Christ, c'est, ou pas qu'à parler de Christ, sans qu'on pas parler de l'Esprit manifestant chair. Ou pas qu'à parler de Christ, sans pas dire l'Esprit, c'est le Père manifestant chair. De pour nier que le Dieu a été manifestant chair, dans 1 Timothée 3:16, ou pas qu'à dire contre Christ. Ou pas qu'à dire contre Christ. Ok. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est l'Esprit des esprits. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, tu es Pierre, et sur ce roc, qui roc ça? Le roc, mais roc là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Où est roc là? Parole solide ça. Sous révélation ça. Sur ce roc, qui parole roc Pierre te baille? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit sur ce roc, je
lui-même bâtirai. Je bâtirai, c'est pas une chose, c'est mon bagage kounya. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. L'église Seigneur Jésus-Christ bâtia, les portes du séjour des morts pas gagné accès avec lui, pas gagné influence sous lui. Porte séjour des morts pas gagné pouvoir sous lui. Parce que l'église Jésus-Christ bâtia sont l'église qui construit avec des pierres vivantes. Parce que c'est pour l'église qui construit avec des pierres mortes. Il construit avec des pierres. Roche qu'il a dans yo, c'est des roches qui vivent. C'est des roches qui gagnent vie. C'est roches qui gagnent la vie Christ dans yo. Il dit porte séjour des morts pas prévaut contre l'église ça. Donc si vous regardez ouais yo du corona fermé l'église. Corona fermé nèg qui bâti synagogue yo. Corona fermé nèg qui bâti synagogue yo. C'est ça qui fait yon en paye dim. C'est ça qui fait yon en tout bagay la loi. Parce que c'était synagogue. Mais l'église Seigneur a pas là avant. L'idou la bâtil. Je bâtirai mon église. L'église que m'gè pou m'bâti ya. Porte séjour des morts pas prévôt contre lui-même. Porte séjour des morts pas gè autorité sous lui. Porte séjour des morts pas gè pouvoir sous lui. L'église que m'a bâti, c'est ça Seigneur Jésus-Christ. Mais l'église ça, il bâti son roc. Roc là n'est autre que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et j'aime dire non, le fils c'est l'image, le Christ c'est le père et fils. C'est-à-dire que c'est l'esprit manifeste en chair. C'est ça le Christ. Frères et sœurs, l'église Seigneur Jésus-Christ vient bâtir. Hein? C'est pour l'église qui bâtit avec des mains humaines. Pas des mains qui trempent la donne. Pas des mains qui abrassent mortier la donne. Pas des mains qui a cloué planche, cloué bois la donne. Pas des mains qui a fait plan. Plan la donne, mette sous papier pour approuver par City. L'église que Seigneur Jésus-Christ bâtia, pas gen même moun la donne qui a fait combinaison pour payer taxes chaque année. L'église Seigneur Jésus-Christ bâtia, pas gen mes humaines la donne. L'église que ce Seigneur bâtia, li pas gon plan Chanel, li pas son papier, li pas gon plan architectural. L'église que Seigneur Jésus-Christ bâtia, li pa gen anyen ki gen rapport avec la charnalité. Jésus-Christ bâtit l'église sur une parole. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et l'église que le bâtia, li dit pas bâtir avec des pierres. C'est pas ou pas ka al karyen pour aller chercher roche pour bâtir l'église là. Ou pas acheter sac ciment pour venir couler béton dans l'église Seigneur Jésus-Christ bâtia. Pa gen sac ciment la donne. Pas gen couler béton la donne. Pas gen rien la donne. Suspend dit bienvenue dans le temple de Dieu. Suspend avec langage ça va commencer soigner langage nous. Bienvenue dans le temple de Dieu là nous en dedans, nous dit bienvenue et puis nous met à genoux. Nous rentrer dans l'idolâtrie parce que n'a adoré bagage qui fait avec des mains humaines. Gen d'autres livres même yo dit au monde pas qu'à prêcher sous chair. Chair précieux. Hein? Chair là. Cher a gen moun yo accepte au prêcher chéri mon prêcher en bas mais cher a lui même yo pas prêcher au prêcher si accepte au prêcher ou prêcher yo pas prêcher sous cher parce que ça lui même c'est là leur arrivé yo fait incantation mystique ça c'est bah diabolique ou entre dans diable diable sont pas connait ou entre dans faire bagarre qui contre la volonté de Dieu sans pas connait par ignorance l'église Seigneur Jésus-Christ bâtie pas gen rapport avec ban, il n'y a pas de rapport avec chaise bourrée. L'église Seigneur Jésus-Christ bâtia, séjour des morts, pas qu'à prévôt contre lui. Coronavirus, pas qu'à fermer.
Les hommes pas prendre décision pour le fermer. C'est l'église ça Seigneur Jésus-Christ bâti. Nous pas regarder pour nous qui ça apôtre Pierre te dit dans le livre de Pierre et épître de Pierre. Nous allons aller dans les épîtres de Pierre. Pour nous garder pour nous qui ça apôtre Pierre dit concernant l'église. Livre de Pierre, nous mettons ensemble avec moi dans le livre de Pierre, nous allons chercher ensemble. Apôtre Pierre, t'es parlé de l'église là, l'église que Seigneur Jésus Christ bâti, hein? J'aimerais dire nous, il n'est pas bâti avec des mains humaines, pas un bloc la donne. Pas un bloc la donne. Pas un ciment la donne. Pas un wash la donne. Pas un sable la donne. Pas un wash la donne. Pas un sable la donne. Livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2. On a commencé dans 1 Pierre chapitre 2. On a commencé depuis le verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui, par ce lait spirituel, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante et pas des pierres mortes. Les pierres mortes c'est bagarre ouais dans la rue à wash ou elle prendre carrière pour venir bâtir pour du m'a pas bâtir temple pour mon Dieu à qui fait avec des mains d'homme. Et la Bible dit nous que parole qui écrit dit nous que Dieu pas habité dans temple qui fait avec des mains humaines. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Choisi. Pierre vivante, rejeté parmi les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. L'église que Seigneur Jésus-Christ bâtit, l'y construit, l'y bâtit avec des pierres vivantes, non pas des pierres mortes. Libre construit avec des pierres vivantes, mais ces pierres vivantes, ce sont des pierres que Dieu lui-même a choisies. Ces pierres sont des pierres vivantes et ces pierres sont précieuses devant le Créateur. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejeté parmi les hommes. On sait de monde qui dit, ah oui, on a rejeté. On m'a pris forme yo, on m'a dans l'église là, même là y a parlé dans l'église là aller côté qui fait avec mes yeux maintenant oui, même là y a parlé, on prend ça bon au bon Dieu du pas abandonner assemblée, nous pour avancer dans ça. Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisi, rejeté par les hommes mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, et vous-même, comme des pierres
vivante. Là, elle a parlé avec des humains, mais qui sont des pierres vivantes. Ce n'est pas des humains que vous pouvez prendre, vous pouvez mettre là et vous couler béton sur vous, pour vous construire un temple pour bon Dieu. Non, ça va s'allier. Approchez-vous de lui. Mais il y a la Bible là, oui. Mais il y a l'écrit là, oui. Ce n'est pas nous ça, parce que nous disons, les assemblés nous disons, eh bien ça, il n'y a pas la vérité. Mais là, oui. Vous ne pas comprendre ni, vous ne pouvez pas lire. Exprès, vous faites. Pour que ça ne soit pas clair avec nous. Pas de souci que nous chita nous réunir. Nous ka réunir en bon basement, nous ka réunir en maison, nous ka réunir n'importe qui côté. Si nous en pile tout, nous devons réunir en gros côté. Mais c'est pas lui qui l'église là. C'est pas espace là qui l'église là. Pas de souci que nous réunir. Oh oui, m'a pas dimanche l'église. Oh, gen l'eau chute. Gen l'eau chute parce que a faut aller l'église. Faut aller l'église. Donc, quand y a moun yo, c'est aller l'église. Mais c'est pas l'église qui n'a rien, mais c'est aller. Tête charge. C'est normal. C'est ça qui fait hypocrite. Hypocrisie à qui s'allier. Mounan, l'idée, elle fait n'importe salver, puis elle a privé l'église à courir, à marcher tout petit. Tout doucement, et puis il dit c'est l'église allée là. Pas fait bruit. Pas fait bruit, petit. Il y a pas les oreilles petites, tu pas fait bruit. Où il fait l'église là? Pss, pas fait bruit. Quelle idolâtrie. Approchez-vous de lui, pierre vivante, riche parmi les hommes choisis et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous pour former. Attendez bien. Vous-même, comme des pierres vivantes. Vous voyez comment l'église Jésus-Christ a construit? Il construit avec des pierres vivantes. Édifiez-vous vous-même, des pierres vivantes, vous-même. Édifiez-vous. Pour former une maison. Pas dit nous pour aller dire son pierre vivant moi ben m'aller là y a couler béton sous moi et puis m'a connait yo te couler béton sous plusieurs dans nous bâti gros temple pour bon Dieu. Et pas ça non. Parce que nous tellement charnel. Nous tellement penser selon la charnalité, tellement penser nous c'est penser les hommes, tellement penser nous pas penser de Dieu. Tout ça nous prend Chanel, c'est normal. Pour faire nous prend tout bagage Chanel parce que yo veut dominer sous nous. Yo pas voulait pour nous joindre le maître et seul Seigneur, le sauveur, le tout-puissant Jésus-Christ. Le restaurateur. Approchez-vous de lui, pierre vivant. Édifiez pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Ouais maison hein? Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur lancé pour vous-même qui croyez que l'église n'a pas bâti avec des pierres mortes. Ou même qui croit que l'église Seigneur a bâti avec des pierres vivantes. Dernièrement, un pasteur qui était besoin pour nous bâtir temple pour lui dans Florida, l'a dit nous pour nous bail pour nous chaque payer $1,000 par brique. C'est Babylone qui construit avec briques. Faisons-nous des briques. Cuisons des briques, faisons-nous un nom. C'est ça qui est arrivé dans tour de Babel, Babylone. Il construit avec des briques, avec des pierres mortes. Yo faut bailler l'argent pour acheter une brique, pierre morte, et pour dire bâti. La Bible tout c'est où? Qui pour édifier ou? Pour former yon maison spirituelle. C'est pas $1,000 pour bailler pour une brique. Nous deux qui mettre ensemble pour acheter deux briques. Gen là dedans nous chaque mettre 500 pour acheter une brique. C'est pas édifice ça le Seigneur Dieu pour faire sacrifice pour lui. Victime ça ou yé, et pas pour ça pour lié.
ou ap édifié ou comme étant une pierre vivante. Donc si on moun kampel dim pour me bailler l'argent parce que le pral bat son temple pour Seigneur pour m'acheter un brique, langage là pas bon, son langage babylonien que lié. C'est du vol. C'est coquin. Nous prenons coquin. Ça va exister. Est-ce que frères et sœurs, nous pas participer bien sûr. Volontairement oui. Mais nèg yo met prix sous brique yo. $1,000 en brique. Ou bien nous chaque deux moun met ensemble pour acheter un brique. Nous chaque bail 500. Même l'on a dit à prier, à jeûner, ou après l'ambre, pharisien, Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable. Pendant que tu as jeûné, tu as prié, oui. Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable. Parlez-vous dans la parole, ça. Oh oui, je suis grand-maman, je suis grand-papa, je suis dans l'église qu'on a marché. Qui ça dit au monde, ça veut dire qui recevoir le salut? Qui est-ce qui doit recevoir le salut? Oh oui, pour j'aime te voir sincère là, pour j'aime te voir. Hein? Pour j'en te voir sincère là, de qu'on est et ou juger qui est-ce qui c'est ou pas, en mon pire, même mon bon Dieu, ou bien qu'on est que Dieu. Oh oui, j'aime te voir là, oh, mon sang, pas qu'à sauver, mon sang, pas qu'à sauver. Deux poux dans le manchon, c'est impossible. Bon, et Farid, hein, mais. Et vous dites ce qu'on a fait 15 jours, jeûne à sec. Édifiez-vous, pierre vivante, pour former une maison spirituelle dans le Seigneur. C'est ça apôtre Paul dit. Apôtre Paul, apôtre Pierre dit. Apôtre Pierre, que le Seigneur Jésus-Christ te dit, qui te gagne révélation, que l'esprit des esprits te révèle parole ça. Et puis Seigneur Jésus-Christ te dit lui. Sous parole révélée ça, m'a bâti l'église par moi. Et apôtre Pierre vient dit que c'est nous devons édifier nous comme étant des pierres vivantes. Nous devons grandir comme étant des pierres vivantes. Nous devons grandir comme étant des fers vivants. Nous devons camper solide comme étant des pierres vivantes. Pour nous capables fonder, former, pour nous capables former une maison spirituelle dans le Seigneur. Qui rapport coronavirus gain avec les hommes qui sautent en loi pour y fermer, pour tout le monde parler, pour y fermer l'église? Qui rapport ça rien? Y a fermé synagogue, nèg kap fè synagogue, pour y faire tirer l'argent, pour y faire payer dîme, pour y tout faux, pour y tordre tout, pour y faire ça ou là bas. Non, parce que c'est cherche marché. Et cherche trop marché chercher. Chaque samoun joue marché chercher. Ou gagne parole là la ca, oui, mais marche trop marché chercher. Ba on qui soit mais orgueil, orgueil. Orgueil. Oh non, l'aime lui pour que même pas jouer dans rien. Non, c'est on m'a prend marché chercher. C'est normal. Ba marche chercher, continue marché chercher. Parole là là, il va marché chercher. Orgueil. Ou besoin paraître, ou besoin commencer pas. Oh oui, m'bouquer li Bible, m'pas jouer dans rien, telle révélation. Oh oui, bah je n'aime bouquer l'île, bah je n'aime rien, donc c'est dans l'église, mais faut me chercher au pasteur, chercher pasteur, chercher mon gant, ou chercher maçon, là, chercher toute qualité qui met tout sous tête. Et puis, moi, mes seigneurs là, moi, mes bon Dieu, et puis, aïe. La Bible dit nous que l'église Jésus-Christ est bâtie avec des pierres vivantes. Apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite dans son temple. L'Esprit de Dieu, c'est dans le temple qu'il habite. Et le temple, c'est le corps. Nous. Temple c'est chrome. Temple pas fait à brique. Temple pas fait avec bloc. Temple pas fait à mortier, à sable, à ciment. À fait ou bien à bois. C'est lui qui bâtit l'église.
Le bâti l'église, il bâti des hommes, il bâti des âmes, il bâti de sacrifices. C'est lui qui bâti l'église. Il bâti l'église, il bâti des hommes, il bâti des âmes. C'est lui qui bâti l'église. Est-ce que il y a un problème pour nous réunir dans l'assemblée côté que n'a payé nous gain on location n'a payé nous ca toujours fait nous ca toujours fait mais si Seigneur là orienter nous pour qui raison que nous capable réunir 2 3 4 5 dans des églises de maison au lieu pour n'al faire un pain n'al louer dans mon pain et puis à chaque fois nous pas ca payer à chaque fois nous pas à l'aise pour nous payer nal pour mortgage pour mon kawé nous oh oui parce bon Dieu te relève le bon Dieu bénis lui ou pas grosse l'église dit et pour pas payer obligé chaque fois mandé fidèle bon Jean moi berger au mandé comme ça c'est berger qu'al derrière manger pour brebis c'est pas brebis qu'a ba berger manger mais on sait des berger brebis oui qu'a ba manger votre gros pas ça me pas connait mais la tête yo pas inversé. Berger a c'est lui-même qui a nourri troupeau. C'est lui qui a marché chercher manger pour troupeau pas mourir de goût. Mais nèg yo kounya là c'est troupeau yo fait yo lagué dans toute la rue tant que moun fou. Et puis pour porter devant porte là bay berger yo. Mais c'est pas un berger, les sont loulier. Son loup. Ou prendre un loup. Tu vas te 50 ans dans l'église ou prendre un loup. Dernier moment en Awel. Et bien, nous avons connu la parole. De toute façon, si nous devons recevoir le salut, la parole ça va rentrer dans la recevoir. C'est clair. Les gens qui recevoir le salut, la parole là, ils rentrent dans le recevoir. Depuis la parole ça rentre, pas qu'à recevoir, qu'on ne peut pas jamais recevoir le salut. Ou pas dans le salut. Donc l'église Seigneur Jésus-Christ est bâtie selon apôtre Pierre. Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 16 il dit que il bâtit l'église là sous parole que Pierre te recevoir qu'il est le Christ, il est le fils du Dieu vivant. Comme moi toujours dit nous, monde qui toujours parler leur dit bon oui ouais le fils du Dieu vivant, pas de décantation là-dedans. Le Christ pas gain l'on parler de Christ ou parler de père qui c'est l'esprit ou parler de fils qui c'est l'image. Même chercher pour nous dans Colossiens. Même chercher pour nous dans Colossiens. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2. On allait dans Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, Colossiens 1. On allait dans Colossiens chapitre 1. Et dans Colossiens chapitre 1, n'a commencé l'île depuis dans verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui, Fils bien-aimé, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Pas oublier que pardon des péchés a ses sang pour couler. Sans effusion de sang, pas gain pardon pour péché. Donc c'est ça qui fait sans le corps, pas gain sang. Sans la chair, pas gain sang. Est-ce qu'on comprend? Qui nous en son fils bien-aimé, la rédemption et le pardon des péchés. La Bible va l'expliquer nous qu'on y a dit nous. Le fils est la chair de l'esprit.
Bon, dit le Jean la Bible dit là, l'image du Dieu invisible. Ou pas qu'à l'esprit est invisible, mais il a son image. Et c'est l'image là qui bore rédemption, hein, parce que Dieu a été manifesté en chair. Parce que c'est chair qui gagne sang. C'est ça qui fait sang te coule au jeune pardon. C'est ça qui fait dit en qui nous avons le Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Et la Bible dit nous sans effusion de sang, pas de pardon. Donc effusion de sang est faite dans l'image, dans la chair. Dans 1 Timothée 3:16, la Bible dit Dieu a été manifesté en chair. L'esprit des esprits a pris une forme de chair et de sang. C'est sang qui est coulé. Mais Kounia, est-ce que nous reconnaissons Christ selon la chair encore? Parce que ne pas oublier que me dit nous le Christ, c'est la chair. Christ, c'est le Père qui c'est l'esprit des esprits et le Fils qui est l'image que nous gagnons rédemption et pardon péché à. Parce que qui est l'image qui c'est l'image qui c'est la partie côté sang coulé à qui c'est la chair. C'est ça que fait la Bible dit nous dans 2 Corinthiens 5. Si nous te connais Christ selon la chair, selon la chair, selon en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés, si nous te connais selon en qui le sang a été coulé, nous ne le connaissons plus de cette manière. La Bible très claire, manière. De quelle manière? Non de la manière charnelle, non de la manière sang te coulé, mais nous connaissons selon la manière spirituelle esprit. Puisque dans cette chair, c'est l'esprit des esprits qui habite, c'est Dieu. Donc nous reconnaissons-lui selon en tant que l'esprit des esprits. Et il y a un seul esprit des esprits, c'est le Dieu, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. C'est pour cela que Jean, apôtre Jean dit dans 1 Jean 5, 21, m'pap Jean suspend, dit nous, répétez-nous ça. Apôtre Paul dit, m'pap là, c'est pour me répéter nous ça, parce que cela pour vous est salutaire. 1 Jean 5, 20, 21. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. On dit que l'image de l'Esprit, ou bien le pardon des péchés a été manifesté. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu, c'est l'image de l'Esprit des esprits est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce n'est pas le des véritables, c'est le véritable. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et nous sommes, nous en dans même le véritable en son image. En son image, nous en dans même. Cette image-là, même qui lit même. Bon, qu'est-ce que ça vous dit nous encore, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que ça vous dit nous encore? C'est l'image même qui est lit même. Qu'est-ce que ça vous dit nous? Qui l'autre bagage vous dit nous encore? Et nous sommes dans le véritable en son Fils, son image. Le Fils, c'est l'image. En son image, Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. C'est lui-même, même. Parce que l'image, c'est là qu'on recevra le pardon. Parce que c'est là que ça a été coulé. Nous sommes en son Fils, son image, Jésus-Christ. Apôtre Jean continue, il dit, c'est lui qui est l'esprit des esprits véritables. Donc, en dans Christ, c'est en dans Jésus-Christ, c'est en dans l'esprit des esprits véritables. C'est lui qui est l'esprit des esprits véritables. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas ça, frères et sœurs, café ou couler ak ma connaît que ou pas la donne mbadou pas la donne Dieu seul sait mais sou pa konnen le kounya la konon pa nan ou pas la donne si kounya la ou pas konnen ou pas la donne est-ce que gen pou la donne Dieu seul sait. Parce que dans l'idolâtrie,
apôtre Jean pour le terminer dans verset 20. Si apôtre Jean après le fin bah toute explication ça pour le terminer il dit petits enfants, méfiez-vous des idoles. Quel que soit deux dieux vous présentez nous ou dans idolâtrie. Quel que soit trinité vous présentez nous dans idolâtrie. Quel que soit le fils est Dieu, le père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc on va prier toi Dieu ou dans idolâtrie. Ou dans idolâtrie. Parce qu'on doit être dans le véritable ou pas dans l'un des véritables. On doit être dans le véritable. C'est ça que faut moun yo tellement charnel. Moun yo tellement charnel. Yo tellement remeti l'argent. Yo tellement Dieu yo c'est vente yo que lié. Parce que apôtre Paul dit il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Yo tellement remé manger, remé prendre l'argent pour yo manger, yo tellement charnel. Yo pas arrivé cerner discerner révélation ça. Parce que yo vle pour yo rentrer dans deux a dans trois a. Parce que si yo rentre non seul yo pral rentrer dans l'esprit et lor rentre dans l'esprit la chair c'est a la chair contraire à l'esprit le ça yo pa ka nanti l'argent yo pa ka jwenn ti dim yo pa ka jwenn ti offre ti comment tout ti bagay a ba tout non yo ba offrande yo gen non gounya on ban offrande Esther offrande Salomon offrande X offrande Greg tout bagay non manipulation yo. Et puis moun yo gen pile ruse c'est ça fait apôtre Pierre dit ça m'a prend apôtre Pierre encore là apôtre a parlé yo te connais m'a prend apôtre Pierre encore un Pierre rejetant verset 1 Pierre 2 premier rejetant donc toute méchanceté et toute ruse moun yo utiliser toute ruse pour prendre l'argent dans main nous comme ça ruse moun nan li utiliser différentes façons moun nan t'a préféré coucher sous ventre il fait filmer t'a jeûner pendant 30 40 jours pas manger pas boire parce que le gros objectif dans tête li. Le gros objectif dans tête li, c'est pour le capable faut quoi et puis qu'on y a pour le manipuler et puis on seul bagaille pour le prendre comme dans main. Le m'a regardé monsieur Kapdio. Semé dans onction sac là. Moun yo tourner Simon le magicien. Ou pas qu'à semer dans onction. Comment vous faire semer dans onction? Ou pas acheter don du Saint-Esprit, l'onction le Saint-Esprit. Ou pas qu'à semer pour acheter don le Saint-Esprit. Ou pas qu'à semer pour que Saint-Esprit parle avant. Semer dans l'onction sac là. Ou qu'à semer X ou qu'à semer Y. Semer dans l'onction sac là. Moun yo tourner Simon le magicien. C'est ça que fait moun sa yo. C'est de moun yo. Et pe parole ça. C'est pour couper tête yo avec elle. Et pe parole ça. Parce que épée a, le bon Dieu a bio. L'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu, c'est pas défendre ou épée, ça attaquer ou attaquer à épée. Parole ça, épée parole ça. M'a attaqué tout vagabond juste dans zo. Au nom du Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. C'est Simon le magicien yoyé. Y a du semé dans onction ça. Dans Actes des Apôtres. Simon le magicien te dit apôtre Pierre m'a ba ou l'argent ça veut dire m'a semé dans onction qu'on gagne pour me capable gagner tout pour me capable bénéficier mais ça moun a fait nous fait apôtre Pierre dit que ton argent périsse avec toi mais kounya qui ça que monsieur yo dit là yo fin parler du onction là ça dit que gon puissance là ça dit que cet esprit manifesté là semé pour capable joindre pour gagner par la donne. Bail l'argent pour ca joindre par la donne. Lorsque semé gros, bon Dieu a bon gros puissance. Lorsque semé tout petit son petit puissance. Lorsque pas semé du tout, ou pas joindre puissance ça. Semé dans onction sac là. Et puis nèg yo utiliser toute ruse selon apôtre Pierre, rejetant toute méchanceté et toute ruse. Nous pas ca croire, nous pas ouais. Côté bon sens nous mes amis, li pas possible pour moun sa ou sou moun encore, pour n'a prendre, pour n'a tendre, pour n'a obéir avec eux. Li pas possible. Nous blasphémer le nom du créateur, nous blasphémer l'œuvre de la croix. À cause des hommes, les hommes sont rusés.
ce sont des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Le gain pour père, le diable, semé dans l'onction sacla. Simon le magicien était voulu semer dans l'onction Pierre avec Jean. Le te imposé mounio les mains, le te recevoir le Saint-Esprit. Simon le magicien offrit Pierre l'argent. Simon le magicien te proposé pour le semer. Il dit Pierre, ma bon l'argent, ma semé dans l'onction en Pierre. Pour m'en capable de jouer, pour m'en gagner pas dans l'onction ça. Mais qui ça mounio bande nous kounia? Ou kon qui ça Pierre te répond? Pierre pas dit monsieur semer pour recevoir l'onction. Pierre pas dit ça. Pierre que Seigneur Jésus-Christ dit sous révélation qu'on recevoir m'a bâti l'église moi. Pierre pas dit Simon le magicien ça. Il dit Simon le magicien que ton argent périsse avec toi. Donc kounya là, si on est campé devant micro, il dit ou vinn semer l'onction ça, son vagabond, son voyou que nous devons utiliser la parole de Dieu pour nous couper tête, lui couper langue ni. Pas de jouet. C'est nos combats, son combat spirituel. Il pas charnel. Mais parole bon Dieu, à qui sont épais à double tranchant, c'est la Bible dit nous ça oui. Ne savez-vous pas que c'est par vous que le monde est jugé? Épais à ses jugements, il vous porter pour le monde avec. Ça attaque ou attaque avec. C'est pas défendre ou défendre avec. Nous avons bouclier de la foi là pour défendre moi. Nous avons ceinture vérité à là. Nous avons ça qui pour défendre moi. Le attaquer, les très enflammés du malin. Même gagne épée à tout pour m'attaquer. Petite bon Dieu barité seulement prend coup coup coup. Petite bon Dieu attaquer avec guerre là par Chanel, il pas physique, mais son guerre spirituelle que si apôtre Pierre t'es peur Simon le magicien. Il pas dit Simon le magicien qui t'est proposé pour semer dans l'onction là. Il t'a dit, il dit que ton argent périsse avec toi. Mais les boys ici, Abdou, viennent pour l'argent en bas moi. Pour qu'il y ait une onction. Qui onction? L'onction diabolique. Démon y a mis sous. Onction démoniaque, diabolique. Satanique. Semé dans l'onction sacla. Apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 2, m'a répété encore. Rejetant. Donc, toute méchanceté et toute ruse. Et prophétie ça et tout. A dit grand pile rusé qui a fini. Leur dit le rusé a li habillé en berger. Mais elles sont loups à l'intérieur. Mais le l'a parlé avec vous, le l'a agi avec vous, le l'a bagaille ou penser son berger. La seule façon pour reconnaître les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable, c'est à travers uniquement la parole. Est-ce que l'il était dans ça qui est écrit? Il y a des gens qui disent c'est parce que la parole est fort. Parce que Jean le parle à là, il va qu'un serviteur de Dieu. C'est l'autre qui parle doucement, qui ouise à. Mais comment nous prenons? Qui ouise à, c'est le serviteur de Dieu. Même là, il pas arrêté dans ça qui est écrit. Même là, il a pas menti. Mais c'est lui-même. Il y a un bon comportement. Mais pour qui ça la Bible parle? Il faut nous veiller avec l'eau ravisseur qui habille en vêtements de bonheur. Ça dit que vous avez une présence, vous présentez un bon comportement. Vous faut croire dans l'apparence. Vous faut juger selon l'apparence. Vous empêchez de faire jugement selon la justice. Mais Dieu dit dans la parole, ne jugez pas selon l'apparence. Pas dit que vous bon monde nié, apparemment, parlez doucement. Pas dit moun sa son bon moun nié ouais comment la parler il gen doit son l'habiller en vêtement de bobi mais son loup li à l'intérieur. La Bible dit juger selon la justice dans Jean 4 verset 24. Juger selon la justice. La justice de Dieu n'est pas trouvée dans sa parole. Juger et pas non seulement Jean moun n'a présenté il mais c'est qui est-ce que moun a arrêté il pas aller au-delà de ça qui est écrit. C'est content pour tes jugements. Mais c'est dommage. Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais serré, très resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ticras seulement qui rentre dans le chemin ça. Donc nous avons toujours joué ça. Nous prophétie à bail. Et ça que mon Dieu dit, c'est amen. Que lié. Simon le magicien, t'es demandé pour te semer. Dans l'onction Pierre,
Pierre te dit que l'argent nan peri a tout ou même parce qu'on pense que don bon Dieu yo capable acquérir à prix d'argent. Yon moun ki pense que avec l'argent ou ka acheté don bon Dieu, avec l'argent ou ka semé nan onction, yon moun ki dit semé nan onction sa la, onction de délivrance la, onction de délivrance la. Après message ça semé nan onction sa la parce que lorsque semé nan onction sa la, faut sacrifice, onction de délivrance. Ça c'est du vol. C'est de la ruse. Ruse du diable. Apôtre Pierre dit, rejetez donc toute méchanceté et toute ruse. Toute ruse. Suspend, prend un vêtement de brebis pendant qu'on son loup. Parce que parole bon Dieu a son éclair à double tranchant. Côté au passé, m'a coupé tête quand même avec. Pour la gloire de Dieu. Parce que à cause de vous, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. À cause de vous. Simon Pierre, pour terminer, Simon Pierre dit, pour apôtre Simon, le magicien dit, Pierre, apôtre Pierre, priez pour moi. Après ça, Samson dit à la, puisque Pierre rejetait monsieur comme ça, il dit, Pierre, priez pour moi. Et Simon le magicien te gen kob nan men. Parce que son moun ki te épaté tout moun nan ville li a cause de magie. C'est comme sou pour un nèg qui sont gros, qui sont un gant. C'est li pi gros gant nan ville, m'pa besoin tout moun se boté ou boté kob bali. Mais apôtre Pierre, pas un homme riche. C'est ton pauvre homme selon en terme d'argent, mais il était riche à l'intérieur parce que il était porté la vérité. Simon le magicien te dit que l'argent en Simon Pierre te dit Simon le magicien que l'argent en péri avec parce qu'on pensait don bon Dieu yo onction yo ou capable semer là-dedans pour joindre avantage de yo. Nous en réponse Simon te bay qu'on y a pour nous chita nous assembler on pasteur a dit nous semer onction ça là pour n'a dit c'est serviteur bon Dieu. S'il c'est serviteur bon Dieu, Simon Pierre pas serviteur de Dieu. Parce que c'est deux paroles contraires que yo y. Et puisque Simon Pierre, Seigneur Jésus-Christ te dit, c'est sous parole yo. N'a pas quoi dans lui. Il dit, moi prier non seulement pas pour nous-mêmes dans Jean 17, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est par parole, pas nous, que y a quoi dans moi. Donc, il mettait esprit, il mettait la vérité dans yo. Donc il a parlé de la vérité. Donc Jean-Simon t'a réagi sous Simon le magicien hein, qui devait semer dans l'onction là pour le dégager un avantage. C'est parole du Seigneur, parole de notre roi des rois le tout-puissant. Donc toute parole contraire avec lui, mon cap du semer dans l'onction ça là n'est autre que de la méchanceté, ruse du diable et nous-mêmes qui rentrons là-dedans, nous fait partie de même groupe. Simon le magicien yo, c'est parce que nous pas jamais recevoir le salut dès avant la fondation du monde, c'est parce que nous pas jamais recevoir le salut, c'est ça qui fait nous capable de rentrer dans ça. Est-ce que Dieu au dernier moment yon moun gen doit a ben nan assemblée ça moun yo rele assemblée physique yo bon ici, est-ce que Dieu au dernier moment que en pile bien sûr parce que Dieu pas changé, il connaît bobil yo. Même dans dernier moment, brebis a joué. Parce que la brille par leur nom, il dit ça. La brille par leur nom, et puis le ça, il a marché joué. Le ça, louyo. Il n'y a pas de accès avec eux encore. Simon le magicien dit à Apôtre Pierre, priez pour moi, non. Il dit moi même qui vous priez pour vous, priez peut-être pas où. À l'île pour nous, dans Actes des Apôtres chapitre 7. Les dit moi pour prier pour vous, elle prier pour être pau. S'il possible. Parce que le cas pas possible. Simon Pierre connaît que il n'est pas possible. S'il possible. Péché a pardonné. Mais s'il pas possible tout péché pas pardonné. Connaît que Dieu pas avec ou il pas jamais avec ou. Et le pape jamais avec lui. Fini. Fait chemin pas. Fait chemin la chair ou. Fais chemin ceux qui sont nés pour être pris et détruits. C'est pas moi qui dis,
C'est dans la Bible lié. Il y a des gens qui parlent de vos frères, ça a les méchants, il fait que les gens sautent. Des fois, pensez que ce n'est pas moi. C'est la Bible qui écrit. Il y en a qui sont nés pour être pris et détruits. Vous n'avez pas l'autre bagarre qui va avec vous encore. Vous n'avez pas l'autre bagarre avec vous. Vous n'avez pas fait remède avec vous, vous n'avez pas fait rien avec vous. Retenez priorité là pour destruction. C'est job yo ça. Yo là pour yo fait retenez yo pour destruction. C'est pas mon deal, il est écrit dans la Bible et pas parler au-delà de ça qui est écrit. Donc l'église Seigneur Jésus-Christ l'est bâti sous Jésus-Christ en tant que le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, comme étant le Tout-Puissant, comme étant le Christ, comme étant l'image et l'esprit, comme étant l'image et l'esprit, comme étant l'image qui est sans couler et comme étant l'esprit, la plénitude de l'esprit. L'église a bâti comme étant la plénitude de l'esprit et l'image. Donc sur l'église Seigneur, sur l'église spirituelle que lié. Est-ce que ça nous pas un problème pour nous réunir? Bien sûr nous ca réunir. Côté deux ou trois réunis dans non lit. Dans la vérité parce que son nom est la vérité. C'est pas réunir à dire Seigneur, Seigneur, pas tout le monde qui dit Seigneur qui a vérité royaume ciel là. Lui dit en mon nom, il est la vérité. Côté deux ou trois réunis dans la vérité, il est au milieu. Mais si vous réunis, vous avez dit Seigneur, Seigneur, ou pas dans la vérité, vous avez dit chien de vous battre, j'aime reconnaître. Parce que tout le monde a dit son pas dans la vérité, il n'est pas là. Donc, côté deux ou trois réunis dans non, dans la vérité, il est au milieu, il est là. Deux ou trois. La Bible dit nous que nous abandonner, assembler nous. Parce que nous devons exhorter yon l'autre. C'est ça que fait mon frère David que nous toujours communiquer ensemble. Nous avons d'autres frères et sœurs que nous toujours parler, nous toujours partager ensemble. Des fois nous on chita, nous réunir, nous partager la Bible ensemble. Mais est-ce que nous avons jour, nous avons l'heure, nous avons temps, nous avons année? Non. Nous pas observer jour, nous pas observer temps, nous pas observer époque, nous pas observer année. Parce que la Bible dit ça. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Parce que en tant que esprit, n'a marché selon l'esprit, nous pas qu'un jour nous dit jour, ça c'est le jour d'adoration du Seigneur. Bon Dieu pas un jour, ou pas qu'on observe un jour, ou pas qu'on observe un temps, ou pas observer. Et c'était Moïse, Moïse c'était la chair, Moïse c'était la lettre, Jésus-Christ accomplit Moïse, il mettait nous dans l'esprit. Donc si vous voulez on devient un vrai adorateur, on va adorer selon l'esprit, en esprit en vérité. Mais si vous êtes adorateur mais on sont faux, on va adorer selon Moïse, selon la lettre, on toujours dit bienvenue dans le temple de Dieu, ou toujours chercher un espace physique pour adorer parce que au besoin sentir ou la chair ou solide, ou besoin de travail chair. Mais si vous voulez travailler esprit ou, c'est arrêté par la Dieu. Dieu est esprit, lui-même. Il est capable de former, ou même j'en étais formé, l'eunuque éthiopien, après que tu es fini baptisé, il est allé la Cali avec joie. Il est allé sous compte Dieu. Dieu était formé. Pas vrai? L'eunuque éthiopien, Dieu était formé. De même que Corneille avec sa famille, le Simon est arrivé, Simon pas dit Corneille, il faut dégager la bâton espace, pour comprendre, pour qu'il soit réuni. Ou bien faut me venir là c'est pour moi pasteur pour chaque fois m'a bon la parole. Mais si encore Simon le magicien le lendemain il était retourné là aller la Kali à une distance de près de 2 jours de marche, ça veut dire qu'il était très très loin, c'est pas côté le capable aller. Et puis connaît il était avec le Seigneur qui t'a formé, il était prend formation dans main du Seigneur. Restez dans pied Seigneur, restez dans parole li, parce que parole li écrit qu'on y a pour nous. Restez dans parole li, n'a pas parler avec lui et puis lui même la orienter nous, la dit nous, qui ça qui est dans volonté et qui ça qui pas dans volonté. Parce que depuis, ou pas dans volonté de Dieu, même l'heure ou a prié ou a jeûné, depuis c'est pas dans volonté de Dieu qu'on y est, depuis pas dans la parole, ou pas dans la ou pas dans volonté, et depuis pas dans volonté, je vous garantis que tout ça fait yo, en vain, ou a juste, ou a coupe là, qui est souffrance, c'est pas coupe du Seigneur qu'on a boire, mais c'est la coupe des démons. La coupe des démons, c'est pas une coupe physique. Mais c'est la souffrance qu'on apprend, c'est le sacrifice qu'on fait, parce qu'on fait un culte à Dieu, mais c'est avec des démons qu'on fait. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, nous toujours attachés à la parole, restez dans la parole, croyez au Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Que nous glorifions, que nous élevions, continuez à élever, que grâce nous couvre nous toutes, que puissance nous accompagne nous toutes, pour que nous gardez nous. Sous route là, même le nous t'a penché, même le gros vent soufflé, mais nous avons assurance que l'île est vivant, la prédier éternellement, la prédier dans la vie, toute petite lieu. Gloire à son nom, le nom le plus glorieux, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il règne à jamais, il règne à jamais, la prédier pour tout temps. Il possédait un sacerdoce qui pas
qui pas qu'à transmettre. Donc quel que soit monde qui vient dire nous, c'est grand prêtre, c'est sacrificateur, grand prêtre royal, c'est faux. La Bible dit nous que Jésus-Christ possédait un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc sacerdoce qui n'est pas transmissible, sacerdoce qui a demeuré éternellement parce qu'il demeure éternellement. Amen. Grâce à Dieu avec nous.